Salut à tous, c'est Ursa8, on se retrouve pour l'épisode 9 de Les Indestructibles en Lego, donc le deuxième. Donc la dernière fois on avait fait l'étiquette, voilà, l'étiquette avec les stickers, et puis on avait pris un petit peu différents personnages des Indestructibles, de la famille des Indestructibles. Et voilà, puis on avait battu une femme qui... une méchante qui adorait les glaces, quoi, entre guillemets. On avait aussi débloqué une plateforme de Pixar pour avoir un nouveau personnage de Pixar. Mais il manquait des cubes. Quand j'ai changé de personnage pour quelqu'un d'autre avec lui, dans le gris j'ai pas réussi à retrouver. Avec mes antécédents médicaux, on m'a dit que je ne pourrais pas être un super. Mon dos, mes genoux, mais je suis déterminé, courageux. Et j'ai ce truc acide, donc ça compense un peu finalement. Suivons le signal. On racontera notre vie plus tard. Au moins, mes oreilles fonctionnent. Mais ça ne va probablement pas durer. Hey, jolie tenue! Mais je sais pas comment l'attraper. Enfin, je vais me douter quand même. Dégage. On ne t'a pas vu que le billet. Ah.
plus des trucs comme ça. Le scanner dit que c'est ici. L'hypnotiseur est quelque part à l'intérieur. Ouais, on a fait du coup des petites quêtes, j'aurais pu faire la mission principale, mais au moins, c'est pas mal. Au secours ! À l'aide ! Faire les blocs, oui, je crois que dans comment dire, je me rappelle dans certaines missions qu'on avait fait avant, il y avait des petits trucs comme ça. Voilà. Donc, les figures monde. Ok, cette fois je peux vous faire monter. J'adorerais être aussi flexible. J'ai de la chance de pouvoir me pencher pour faire mes lacets. Merci, je crois. Vous voulez bien la faire tomber? Une échelle? Faudrait installer des ascenseurs. Voilà. On va entrer par ici. Prêt à attraper l'hypnotiseur? Qui? Oh! L'hypnotiseur! Ah oui! Bien sûr! Comme ça.
laver. Voilà. Le jeu, j'ai trop envie de lancer sur Suisse pour l'emmener un peu partout. Qui est-ce? Ce hypnotiseur est un vrai collectionneur. Silence, on n'est peut-être pas seul. Oui. Voilà. Ah ! Ça, il l'a fait exprès. C'est pas vrai! Bonjour. Allez. On dirait à moitié les manettes de PS5 en haut sur l'étagère. C'est bizarre. Je crois qu'il n'y a personne. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage qu'il ne veut pas qu'on voie. Fouillons vite cet endroit. Je vais devoir reposer mes genoux dans peu de temps. Je ne voudrais pas cuisiner ici. Il y a beaucoup de pizza. C'est du système D. Il y a quelque chose d'utile? Un générateur. Je vais m'en charger.
Il me faudrait une lentille comme celle-ci. J'arriverai peut-être à lire mes ordonnances. Oui. Il faut qu'on passe de l'autre côté de ces étagères. Quelle pagaille! Ça me fait penser à la chambre de Flèche. N'aime pas jeter non plus. J'ai toujours ma carte collector de Gilbert l'éclair que j'ai eue avec un chewing-gum en 58. Ouais. Voilà. Je ne connais pas la moitié de ces trucs. Je me demande si tout ça fonctionne encore. Ah d'accord, il fallait donner un sens pour prendre. Enfin, la voilà. Rappelez-moi de ne pas demander à l'hypnotiseur de ranger mon garage. Voilà, on est de l'autre côté, c'est bien. C'est vraiment curieux comme engin. On dirait qu'il manque une poignée. Il a dû l'arranger pour ne pas la perdre et ensuite oublier où il l'a mise. J'ai perdu ma voiture comme ça. Elle doit être là quelque part. Elle doit servir à quelque chose. Ça là. Qui ne tente rien? Et voilà le travail. Oh, hey. Oh. Très bien. C'était la dernière. Ça peut se mouvrir. On va. Incroyable. À quoi ça va servir? À ouvrir la cage? À creuser le sol pour nous faire un tunnel? D'accord.
La machine un peu inutile, quoi, fabriquée. Voyons ce que l'hypnotiseur cache si précieusement ici. J'ai pu souiller le tapis, c'était bon. Reflux. Ne regardez pas les lumières. C'était trop fort. Votre avenir s'annonce brillant. C'était trop fort. Me voilà. C'était trop brillant pour vous. Tout seul à le faire, ce combat-là. La collection de voitures du milliardaire Victor Cachet vient de s'agrandir avec l'acquisition de la super voiture qui était autre que celle du super-héros Monsieur Indestructible. Elle avait été détruite. Ils ont dit que c'est ma voiture. Une cassette, quoi, la télécommande. Le voilà! Allons-y! C'est vous la patronne? Attention! Poussez-vous! On poursuit un criminel, désolé! Ah, je préfère marcher et fouiner plutôt que courir et pourchasser. Mais doucement. Vous ne m'échapperez pas cette fois, hypnotiseur. J'avais un morceau de gigot, quoi. Au revoir, Velastigirl. C'était amusant. Je suis là, moi aussi. Oh, toute cette poussière n'arrange pas mes allergies. Montez. Bon, c'est sympathique de faire des trucs comme ça. Bon. Mauvaise nouvelle. La porte est bloquée.
On va devoir être imaginatif. J'ai une idée. Attention en dessous. Pas besoin de dire, on doit construire quelque chose pour libérer le passage. Il faut se dépêcher de construire, il s'échappe. Ça va peut-être servir à quelque chose, ce truc-là. Génial, mais il faut partir maintenant. On y était presque. Ce n'est pas fini. Bougeons cet ascenseur. Oh non. Chose. Que s'est-il passé? Je me suis trompé de commande? Vous n'aimez pas les anchois? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, vous voulez me faire croire que vous êtes juste un livreur de pizza? Bah oui, vous me prenez pour qui? Je fais les maths, je règle le problème du petit copain et j'empêche le bébé de se transformer en un monstre de flammes. Hein? Et je réussis à m'en sortir parce que je suis Monsieur Indestructible. Je crois que j'ai besoin d'un peu de repos. Ensuite, c'est bien. Oh, tu as besoin de plus qu'un peu de repos, Bob. Tu as besoin de repenser ta vie à tous les niveaux. Tu dois tout reconsidérer de A à Z. Oui, très inhabituel. Est-ce que tu vois ça, Robert? J'aurais joué à Edmund Wade. Fascinant. Ouais. Ah, pas mal le coup. Tu es bien pâle. Je comprends ton manque de sommeil et de cohérence, Robert.
Les bébés demandent du temps et Lucien ne fait pas exception. Il a un potentiel énorme. Tente Edna a veillé cette nuit pour s'assurer que tu seras fabuleux sous toutes tes formes. C'est de la voiture de Messieurs. À débloquer. Voilà. C'est la fête, hein. Votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais tous vous remercier, vous qui êtes venus ce soir, pour soutenir les super-héros. C'est la musique des Indestructibles. Autour de tous les super-héros, nous allons réunir super-héros et dirigeants de toute la planète sur notre bateau pour une cérémonie en mer retransmise en direct. Bien le film. D'accord. D'accord, bien. Utilise ce truc. Tu vois, c'est la mesure actuelle. Allez, viens! Miam, miam, le bon gâteau! Ouais! Jack, Jack! Vous m'avez fait peur. Désolée. Je vous ai vu vous éclipser. Vous aviez l'air préoccupé. Ça va? Je voulais juste prendre un peu l'air. Hein? Vous voulez vous dégourdir les jambes? Oh, désolé, je ne voulais pas. Ce n'est rien, Vortex. Ce sera avec plaisir. Fanny. Il y a de la jouer, Vortex. Alors, elle a l'air pas mal. Bon, une petite épisode sympa. Enfin, une petite mission sympa. Je pense qu'ils vont quand même nous mettre pour construire la durée de vie. Je pense qu'ils vont mettre des petits passages avec Disco, avec d'autres super héros. Je n'ai pas pu visiter cet endroit. Vous voulez qu'on aille faire un tour? Avec plaisir. Comment je... Ah, on va la jouer. On va jouer Disco là. Moi j'ai été là pour l'épisode 9 de Dinosaurs, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo si vous avez fait, à plus, bye.